بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue sur le podcast Revivification du cœur. Je suis musulman lambda. Ce podcast est destiné à la diffusion des principes de l'islam aux francophones. Il s'agit principalement de lectures ayant pour but d'être écoutées, méditées et remises en question. Les seuls prérequis étant le respect, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique. Vous pouvez également suivre mon fil Twitter intitulé « Revivification du cœur ». L'importance du temps. Le temps est le 103e chapitre du Coran. C'est un chapitre relativement court. Sa traduction est la suivante. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Par le temps, l'homme est certes en perdition, seuls sont sauvés, ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, se recommandent mutuellement de vivre selon la vérité et se recommandent mutuellement la patience. Sourate numéro 103. Dans ce chapitre, le Coran fait référence au temps. Qu'est-ce que le temps ? Le temps est un phénomène passager, il est toujours en état de voyage, du présent au futur, du matin au soir, d'aujourd'hui à demain. Le temps est hors de votre contrôle, vous ne pouvez jamais arrêter le temps. En utilisant cette référence, le Coran donne une leçon très importante, importante pour tous, hommes et femmes confondus. Cette leçon est la suivante, prenez le temps comme une opportunité. Profitez du temps avant qu'il ne meure pour toujours. Si vous manquez le train du temps, vous ne pourrez plus le rattraper. Al-Razi, l'un des commentateurs du Coran, dit « J'étais en train de réfléchir à la signification de ce verset coranique alors que j'étais à Bagdad. Pourquoi le Coran dit-il que le temps est un témoin pour l'homme ? Puis j'ai entendu la voix d'un marchand de glace. Il appelait les gens, au peuple, « Achète mes biens avant qu'ils ne fondent et disparaissent. » Le phénomène de la glace explique avec succès ce verset coranique. La vie de chacun est comme un morceau de glace typhon. Chaque personne perd constamment son temps. Quand il se lève le matin, il a perdu la nuit, ce qui ne peut plus lui revenir. À l'approche de la soirée, il a perdu la journée. Par ces versets, le Coran avertit chaque être humain de profiter du temps. Profitez des opportunités du jour que vous n'obtiendrez pas pendant la nuit, et profitez des opportunités de la nuit que vous n'obtiendrez pas pendant la journée. En d'autres termes, avec ces versets, le Coran nous dit l'importance de la gestion du temps. La gestion du temps est indispensable pour chaque homme et chaque femme. Nous avons très peu de temps ici sur cette terre. Dans seulement quelques années, nous serons confrontés à la mort. Chacun devrait entreprendre une planification sérieuse de son temps afin de se prévaloir de sa période avant la mort. Nous n'avons que deux options devant nous, soit de profiter du temps avec sagesse ou de faire face à l'échec pour toujours. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a été bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast « Revivification du cœur » et à partager son contenu. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah seul, sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager.